Non mais regardez les blessures. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour. Je déclare officielle ma reprise du sport avec mon coach, The Don Trainer. Comment ça va? Ça va et toi? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de bluff parce que si vous avez suivi les épisodes précédents depuis la rentrée, à chaque fois j'avais trouvé une excuse. C'est ça. Genre un coup j'oubliais mes affaires de sport. Aujourd'hui, je suis désolé mais ta-da-da-da-da-da-da. Jogging les amis. Le jogging est là. Toi aussi, enfin, on est bien. Venu. Jogging, je suis venu, je suis à l'heure, je suis de bonne humeur. C'est surtout qu'en fait, je n'ai plus d'excuses. Ben donc non. Si vous avez des bons plans dans les commentaires, des excuses pour ne pas faire de sport, genre pour louper les cours de sport en cours, à l'école, ou alors pour ne pas aller à la salle, j'ai besoin de nouvelles excuses, là je suis. Là il a utilisé tout son panel, hein. Là il pouvait plus me la faire à l'envers. Exactement, donc bien sûr il y aura un cheat meal juste après, oui. Bien sûr on va aller manger dans un endroit que tu as sélectionné. Tout à fait. On en parlera, c'est à base de quoi? Tout à l'heure? Ouais. À base de burgers et de fromage. Ah, j'aime ce genre d'entraînement. Et dans l'immédiat, et bah écoute, du coup, bah on va. Ça va, il fait beau? Ouais, il fait beau, on va se faire une chute. Je vais enlever la doudoune, on va se. Voilà, je suis vraiment en tenue de sport. Et puis c'est parti, let's go! Allez, c'est parti, on y va. Fais pas ça. J'ai une douleur au genou. T'as marché de travers, tu t'es tenté? Ah ouais, je crois que. T'inquiète, j'ai fait un peu de. Non, je crois que j'ai appris la kiné un petit peu. Je crois que je vais pas pouvoir. Tu me la fais pas à l'envers. Je crois que. Même sur une jambe, je vais te faire perdre des pistoles. Je me suis blessé, je crois que je vais pas pouvoir. Tu t'es blessé le bas, hein, pas le haut, donc on peut faire des pompes. Mais non, il faut les jambes pour les pompes. Non. T'as pas d'excuse, c'est qui mon gars? Même estropié, je te ferai faire du sport. Ok, donc on va commencer déjà par un échauffement parce qu'il fait un petit peu frais, donc vas-y, coach. Pour se blesser. Dépêche-toi parce que les gens ils veulent voir la bouffe. Alors, allez, montez de genoux sur place. Oh, hey, ça c'est facile ça. Ça y est, comment t'as se prendre hein. Voilà, c'est bon. Ah non, continue. Mais t'as dit deux. Non, encore. T'as dit deux. Encore cinq. T'es un escroc. Pas de raison, il y a la gare. Inspire, tout à la montée. Bah regarde les gens aller prendre leur train. Ils sont tout contents parce qu'il n'y a plus de grève. Ils ont de la chance. Souffle à la montée. Inspire. Huit, 9 et 10. Escape, tu viens t'asseoir. Ah ouais, ça j'adore. Ça c'est ce que je fais le mieux. Venir s'asseoir. Ah ouais. Ouais, il travaille, hein, vous avez vu. Il fait pas que manger. Hein. J'ai une de ses fins. C'est quoi le resto où on va après? On va chez Goico. Ah, c'est la nouvelle enseigne de fast-food espagnole qui s'installe en France. Tout à fait. Génial, je l'ai pas fait. Opéra juste à côté. Ouais, j'ai vu, il y a mon pote Ahmed qui a fait une vidéo en plus. Ah bon? Ouais. Ok, cool. Allez, go. Bien joué. Coach. Franchement, pour cette première c'est une bonne reprise. On a bien. J'ai cru que j'allais le couiller. Ah, et ben mais non. Ça a pas marché, ma douleur. Non. Voilà, je suis tranquille pour 6 mois là, c'est cool. Non, 6 mois? Tu veux dire 6 jours? Ah ouais, on va manger. Coach, il y a des gens qui m'ont pas paralysé quand je faisais du sport. Ouais, je sais pas ce qui va circuler sur la toile parce que là, tu vois, je peux faire le montage moi-même. Ouais. Je peux me mettre à mon avantage. Là, si c'est les gars compris, ils vont m'avoir vu souffrir. Sous tous les plans et avec un petit goutte de transpiration. Ah, je te jure. Bon, allez, direction le resto. C'est quoi que tu m'as fait tout à l'heure? C'est des dips. Des dips et des mountain climbers. Moi, je préfère les rips. Hein. Franchement, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon coach, ça y est, on est arrivé. Très cosy, très joli, très sympa. Et regarde, comme ça a ouvert il n'y a pas longtemps, les cartes sont encore très propres. Après, elles seront pleines de ketchup, elles seront cornettes. C'est comme ça dans les restos au bout d'un moment. Là, c'est top. En fait, je crois que plutôt que de longs discours, on va commander direct, tu vois. Ouais, ça sera... Ils font des bowls, tiens, pour ceux qui veulent pas prendre de burger. Sacrilège.
Aujourd'hui, c'est cheat meal. T'as pas un stylo? Moi, j'ai fait du sport, t'inquiète, c'est pas pour manger des balls. Hein. Regarde la tête des burgers. Franchement, pas mal. Le Yankee, le Kevin Bacon. Ah, ils les ont bien pris en photo. Hein. Ouais. Tu sais, j'aime bien comment ils ont fait leurs photos parce que ça fait pas photo non contractuelle comme tout est bien parfait. Donc là, ils l'ont vraiment dans la main et on sait que ça va ressembler à ça. Bah, quoi. J'espère. Parce qu'ils sont quand même très beaux. Hein. Ouais, ouais. On verra hein, si tu prends le Kevin Bacon. Il y a quoi dans le Kevin Bacon? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Kevin Bacon, il y a de l'émincé de bœuf avec du bacon, des crunchy onions, des oignons croustillants et du cheddar. Bah, tu sais quoi? On va voir, on va commander et on revient vers vous. Donc en fait, Goico. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une enseigne espagnole. Il y en a plein en Espagne, c'est les premiers qui ouvrent en France. Et en fait, ça a été fondé par un Vénézuélien. Et vous, mademoiselle, vous êtes d'origine vénézuélienne? C'est ça, je suis née à Caracas. D'accord. Et donc, dans la carte, il y a aussi, dans les petites entrées, des choses vénézuéliennes, c'est ça? Oui, de base, comme les teques, c'est de doigts de fromage. C'est de tequeños. En gros, il y a de fromage dedans avec de la farine de blé. Ça doit être bon ça. Cool. On prend ça en entrée. Ah ouais. Déjà en entrée ça peut se négocier ça déjà. On a été conseillé. Ouais c'est ça. Et après on va passer au burger. Génial. Bon coach, on fait la reprise du sport. Ça y est. Avec un petit Coca Zéro. Toi t'as pris quoi comme boisson? J'ai pris une limonade maison. Elle est belle hein. Regarde comment elle est belle gosse la limonade. À la tienne coach. Hop. Et avec les petits tequeños. En fait c'est du fromage à l'intérieur c'est ça? Ouais. C'est des doigts au fromage ils appellent ça. On va s'en manger les doigts. Moi, il y a une petite. Ça aussi. Ils ont mis des petites sauces. Alors il y a une mayo Goico, c'est leur mayo, et l'autre c'est une barbecue Goico. Ok, moi je vais d'abord goûter comme ça. Et donc ça c'est vénézuélien, vraiment. C'est bon. J'imaginais ça plus comme de la pâte un peu feuilletée. Mais en fait non, pas du tout. Ça fait un peu breadstick. Ça franchement pour attaquer, avant les deux burgers que je vais commander, c'est pas mal. Ouais, bon bah sexy c'est pour moi. Et ah, ça me va bien. Et le... Ouais, c'est pour moi aussi. Ah ouais, comment vous avez su que c'était pour moi? C'est génial. Alors les burgers sont arrivés, il paraît qu'ils ont adapté certaines recettes pour le faire vraiment avec des produits français. Ouais. Donc ça c'est cool. Et moi j'ai pris notamment le Bomba Sexy et la demoiselle dès qu'elle est arrivée, elle a fait le Bomba Sexy c'est pour vous. Elle a su. Parce que le petit côté sexy. Le nom et le côté Bomba, tu vois, le nom va avec la personnalité, tout à fait. Alors coach, toi, tu as pris quoi? Ah ça c'est au poulet C'est ça, c'est le lakiki. Alors le lakiki c'est du poulet pané. Il y a deux tranches de poulet pané, ouais. On a du cheddar fondu. On a une sauce qu'ils appellent la sauce 50 de Goico. C'est une petite surprise, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Le bun est de la laitue. C'est pas de la batavia mais de la laitue. Ok, et il en a pris un deuxième. Oh, il en a pris un deuxième. Ça c'est le Yankee, le fameux. Alors en fait c'est vas-y, ouvre un peu. C'est des ribs de porc désossés, oignons rouges. Il y a du cheddar, 4 tranches. T'as du bœuf plus du porc. De la côte de porc désossée. C'est ça. Et regarde la taille du steak haché de bœuf quand même. Hein. Ah ouais. Et celui-là, regardez celui-là. Celui-là, il y a carrément de la viande de bœuf mélangée à du chili con carne, donc il y a des haricots. Plus du guacamole. Il s'appelle comment celui-là? C'est le chili raptor. Oh là là. Alors, moi de ce côté-là, j'ai pris celui-là, le Bomba Sexy. C'est le Bomba Sexy parce que regardez, il y a un steak de fromage pané en plus du steak normal. Et en plus de ça, j'ai du bacon. Le Kevin Bacon, viande de bœuf mélangée avec du bacon. C'est-à-dire que, tu vois, c'est de l'émincé. C'est pas vraiment un steak. Steak. En fait, enfin, c'est un peu un steak. Ils l'ont recomposé. Ouais, ils l'ont recomposé, quoi. C'est un peu un bâtard. c'est un burger bâtard, un steak bâtard. Mélangé donc du bacon, des oignons croustillants et du cheddar. Bon, bah les gars, bon appétit. Les prises, c'est avec frites ou enfin accompagnement compris. Donc voilà. Il y a salade, il y a frites normales. Moi, j'ai pris frites de patates douces parce que c'est plus healthy ça. Ouais, c'est un peu plus. Après healthy. La séance de sport. Il y a moins de glucides. Et j'ai demandé salade avec l'autre burger, mais ils se sont trompés, ils ont mis des frites normales. Oh, quel dommage. Comment on va faire, coach? On peut pas cacher. Regardez quand même, on est un coach jusqu'au bout. Moi, j'ai pris de la salade. Fayot, ouais. Moi aussi, j'ai pris de la salade, mais ils ont refusé de m'en servir. Tu commences par lequel, coach? Je commence par le Yankee. Allez, vas-y. Et le Yankee, franchement, il fait vraiment envie. Hein. Côte de porc désossée. Avec les mains celui-là ou... Bah vas-y, hein, essaye de te débrouiller. Bon app, coach. Mes petits cognos là, je suis pas prêt. Hein. Bon, aujourd'hui, on a vraiment fait du sport, donc ça va. Hein. Les gens ne peuvent même pas critiquer. Là, t'as eu que du steak ou t'as aussi eu le porc? Non, j'ai eu le porc, regarde. C'est super bon. En fait, alors pour l'instant, le porc il prend un peu le dessus sur le steak. Ouais. Je vais retaper un croc, tu permets? Bah bien sûr que je te permets. Le porc est super bon parce qu'il est tendre. Et moi, de base, je suis pas fan des ribs parce que je trouve ça sec. Et là, je trouve pas du tout ça sec. Et avec le petit bun, on dirait qu'il est un petit peu beurré. Vous voyez qu'il est jaune, d'ailleurs.
Ouais, le pain est bon parce que ça compte beaucoup quand même le bun dans le burger. Il est un peu jaune, je pense qu'il est, il est beurré et franchement c'est super bon en fait. Ça radoucit le tout, c'est vachement bon. Le steak pour le coup dans celui-là je le sens pas trop, donc je le sens en termes de texture mais en termes de goût, le porc, le ribs prend le dessus en fait. D'accord. Mais c'est très bon. Régale-toi coach. Franchement, on mange en tenue de sport. Alors moi je vais goûter celui-là en priorité, pendant que le fromage, parce que le fromage pané, tu vois après quand c'est dur c'est moins, ouais, c'est moins kiffant. Je pense qu'il y a moyen de kiffer. C'est vrai que les steaks sont d'une bonne épaisseur quand même. Hein. Ouais. Franchement. Épais de ouf. Ouais. Allez, on va mélanger. Il faut le croc parfait. Oh là là. Et le fromage fondu. Là je pense qu'on pourrait faire une vidéo ASMR. Je déteste ça. Vas-y, tu veux essayer ? Non, plus les bruitages. Attends, on essaye. J'adore ces petites frites. Comment ils font dans les vidéos ASMR ? C'est pas image. Pour que ça fasse autant de bruit. Mais là, le steak, le fromage pané, marié au bacon, c'est trop bon. Non, mais regardez C'est un truc, j'arrive même pas à le manger avec mes deux mains. En dehors de l'aspect visuel, c'est vrai que visuellement c'est vraiment, c'est fat, c'est vraiment du gros burger fat. Ouais. T'en penses quoi ? Alors, toi qui t'y connais bien en burger. Ouais, c'est vrai que les burgers ça me parle, c'est mon truc. Celui-là, donc c'est le Yankee, je le trouve bon, mais pas plus que ça. J'aurais préféré que le fromage fonde plus. Je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Ouais, c'est vrai que là on dirait que franchement les tranches de fromage, Sont pas fondues. Elles ont juste été posées dessus comme voilà. Ça, c'est pas fondu du tout. On aurait dit un sandwich jambon beurre quoi. Ouais, c'est vrai. Du fromage ouais, c'est comme vrai. Ça, donc il n'y a pas le côté fondu. Ouais. Donc ça, je trouve ça un petit peu décevant pour ma part. En termes de goût, comme je le disais, le porc il est très bon. Malheureusement, je sens pas le goût du steak. Et au niveau des saveurs, le petit plus que je donnerais pour celui-là, ce sont les oignons rouges un petit peu caramélisés qui sont très très bons. Mais pour l'instant, on va dire, celui-ci ne me fait pas sauter au plafond, donc j'en attends un peu plus du lakiki au poulet frit. Parce que c'est avec de la panure panko, il me semble, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Et mon coach est intransigeant. Vous voyez pourquoi je souffre au sport ? Et lui, il est pareil avec moi. Le fromage est bien fondu, donc celui-là. Ah oui, celui-là il est plus réussi ouais, en fait. Celui-là il me semble mieux. Ouais, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on va voir, on se retrouve après. Alors vas-y, passe à celui au poulet là. Alors là, on va le couper pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah vas-y, on part à l'exploration. Chirurgie. Dédicace au critiqueur. Tu connais le critiqueur ? Non, c'est qui ? Eh, c'est un gars sur internet, franchement, il met des gants et tout, il te dissèque les sandwichs, il te les ouvre, il te les analyse. Il était venu passer nous voir au Risk Café pour le marathon de la brigade. D'accord. Hey, tu fais ça beau, bien. Hein. Ça, c'est une découpe d'instagrammeuse. Hein. C'est un chirurgien. Et le poulet a l'air pas mal. Hein. Ouais, bien épais, la petite panure. Tu vois, celui-là me donne plus envie que l'autre. Allez, j'y vais. Allez, vas-y. Lance. Ça n'a rien à voir. Alors, il est vraiment bon. Ouais, il est super bon. Alors, de base, moi, je suis plus bœuf que poulet dans un burger. Mais pour le coup, là, le poulet, il est magnifique. Il est tendre. La panure, elle est juste croustillante, juste ce qu'il faut, pas trop épaisse. Et il y a du petit bacon au-dessus, là. Il est super, il est super. Je pense que toi, qui es fan et qui es un membre de la team poulet, faut que tu le goûtes. Moi, je vais le goûter quand même. Le poulet a l'air tellement bon, je me sacrifie. Ah oui. Je le goûte. C'est vrai qu'il y a ce qu'il faut. Il y a deux trucs de poulet. Ouais, il y a deux gros... En tant que président de la team poulet... Alors, qu'en pensez-vous ? Il est bon, franchement, il est bon. Ah ouais. Émincé de bœuf plus bacon mélangé. Ça risque d'être intéressant. Allez, on y va. Moi, le fromage est bien fondu dans celui-là. C'est plutôt pas mauvais. Pas oufissime, mais c'est bon. Franchement, c'est bon. Alors, ça donne quoi ? C'est pas mal. Tu veux goûter ? Vas-y. Ça va. On sait pas... Ouais. C'est un bon cheese bacon. Ouais, voilà. Il est assez classique, mais pas mal du tout. Ah super, notre sponsor officiel, les serviettes en papier, là il en faut. Et ce que j'adore, c'est le spoiler. Tu vas te tâcher et tu vas aimer ça. Mais pour l'instant, je ne me suis pas tâché pour une fois. Bon, franchement, pour la vidéo, on se doit de prendre un dessert, coach. C'est ça. Après l'entraînement de tout à l'heure, voilà. Moi, là, je vais puiser dans mes limites. Hein. Moi, direct, j'ai vu le Goiko Cookie. Il est bon, c'est un brownie au cookie avec cœur fondant au chocolat. Vous me le conseillez, celui-là ? Ah oui, super. Ouais. Mais par contre, c'est pas à partager. Moi, je partage pas. Ah, mais j'ai pas dit que je voulais partager avec vous. Ah, c'est bien. Eh, mais moi, regardez ça. C'est un brownie au cookie, en fait. Mais c'est même pas un brownie, on dirait limite un fondant au chocolat. En fait, c'est un cœur fondant. Ouais, un cœur fondant, ouais. Au cookie. Et là, ici, c'est de la pâte à cookie, quoi. Mélangée avec la boule de glace vanille. Eh, les gars. Et toi, alors, c'est quoi finalement il a pris ça ?
Alors moi c'est le frozen goiko, donc c'est comme un, comme elle m'a dit que c'était un mix entre un flan et une mousse au niveau de la texture. Vas-y. Avec des plantes. Ah oui, c'est texture un peu flan. Voilà. Et puis, et puis avec des Oreos, c'est des vrais Oreos, en plus il y a écrit Oreo dessus, au milieu. Génial. Bon allez, bonne app. À la vôtre. Alors moi je dirais pas que c'est entre un flan et une mousse. Ça ressemble, tu sais, quand tu fais une préparation de gâteau au chocolat et qu'à la fin tu mets dans le bol et tu manges comme ça. Et ben c'est la même texture. Ah bah c'est pas mal alors. Ouais, et ça a le même goût quasiment. Et... Avec un peu de glace. Ah ouais, toi tu t'es fait une vraie. Ouais, je kiffe. Et ça, ils sont ouverts à l'heure du goûter, tu peux venir que pour ce truc-là. Ouais. Bon coach, alors, ça dit quoi? Franchement, le bilan, calmement. Bilan, calmement. Alors, c'était bon. C'est un endroit que je trouve convivial, donc sympa pour venir avec des potes si t'es sur Paris. Très belle déco, c'est vrai. Voilà, on est bien dedans. C'est charmant en fait. On a envie d'y rester, on est bien, on n'est pas pressé de partir. Le staff, super cool. Moi, je mets un gros plus pour le staff. Qui viennent tous soit d'Espagne soit du Venezuela. Ouais, donc, c'est vrai, on a discuté avec plein. Il y en a un, il m'a même demandé ma chaîne YouTube pour apprendre le français. Ah bon, pour apprendre le français? Ouais, carrément. D'accord, ouais, ben voilà, donc ça donne un charme en fait à la chaîne de restauration. Et puis voilà, non, bonne ambiance. Et... Les burgers, alors franchement, ils sont bons, c'est correct. Alors c'est vrai que c'est du resto, c'est pas du fast food. Voilà. Donc vous pouvez peut-être trouver ça un petit peu cher. Les formules, c'est entre 13 et 18 euros. C'est ça, tout à fait. Mais bon, franchement, moi j'ai kiffé. Ils sont bien fat quand même. Ils sont balèzes. C'est pas du burger qu'on mange avec le petit doigt en l'air. C'est, tu vois, tu croques bien dedans. Mais franchement, les recettes sont sympas. C'est original. Après, selon les recettes qu'on a goûtées, il y en a qu'on a plus ou moins aimé. Mais après, c'est chacun ses goûts. Quoi, hein. Moi, je mets un gros plus pour le Lakiki. Celui au poulet, il était super bon. Très, très bon. Le Yankee, un peu moins. Mais le steak, dans l'ensemble. Moi, j'ai aimé celui au steak de fromage aussi. Et puis le deuxième que j'ai pris aussi avec mélange bœuf-bacon. C'était intéressant. Kevin Bacon, il était pas mal. Coach, merci pour cet entraînement. Eh ben écoute, génial, on a vraiment fait du sport. J'espère que t'as bien profité. C'est la reprise et t'as pas intérêt de me trouver des nouvelles excuses. Ne lui donnez pas d'excuses dans les commentaires. Laissez les excuses dans les commentaires pour les prochaines fois. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Mon coach, ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, The Done Trainer. The Done Trainer, juste là. C'est dans la description. Et on se retrouve sur mon Facebook aussi, c'est Florian Nair. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Nair. A plus, ciao. On avait dit, on faisait semblant. Ouais. Mais non. C'est bien vu. Moi je suis pris dedans là. Talon fesse. Et 5, 4, 3, 2, jump. Oh là là. Allez là.